Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode. Aujourd'hui, on s'intéresse à une petite bombe française qui, eh bien, vous a fait rêver si vous étiez adolescent dans les années 90. La Super 5 GT Turbo version coupe, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est la version de piste qui va nous intéresser aujourd'hui. Le mode disponible, bien entendu, dans la description, vous le savez, va poser quelques soucis parce que c'est pas le meilleur, mais bon, on va y revenir un petit peu après. Parlons d'abord de cette voiture, donc la Super 5 Turbo, produite par Renault, évidemment, qui vous coûtait à l'époque un peu plus de 100 000 francs, et vous pouviez, eh bien, la modéliser et la quitter pour la piste et participer à ce championnat avec des modifications mineures comme des amortisseurs en carbone, des écopes de frein à la place des anti-brouillards, monter là-dessus des jantes et des pneus Michelin. 785 kg, une boîte 5 vitesses, un moteur 1400, 120 chevaux sous le capot. De quoi vous faire plaisir. Ils étaient nombreux, les pilotes à travers l'Europe, à se faire plaisir, puisque le championnat a perduré pendant quelques années tout de même, avec des versions donc circuit, et ces voitures sont retrouvées aujourd'hui un peu plus en version course de côte, où vous pouvez les avoir chez des passionnés de la marque aux losanges qui récupèrent ces anciennes voitures. Il n'y en a plus tellement, même si à l'époque il y en avait beaucoup de produites. C'est une voiture qui, dans la version que l'on connaît, avait également remporté d'autres grandes compétitions. Faut pas oublier que cette Super 5 Turbo, eh bien, elle est championne du monde des rallyes en division groupe N grâce au moustachu le plus rapide des années 80, Alain Aureille, bien sûr. Vous la connaissez certainement aux couleurs de Diac, en rallye aussi aux mains de Jeannot, Jean Ragnotti, qui avait sévi sur les routes notamment du Monte Carlo à l'époque au volant de cette petite bombe. On va parler maintenant du mode proprement dit, un mode un peu décevant mais qui se rattrape. En fait, au niveau du son, c'est vraiment pas terrible. Au niveau de la modélisation de la 3D, la voiture est assez sobre, assez simple, l'intérieur est très moche, c'est, on a l'impression d'être dans de la guimauve, enfin vous allez voir sur les différents plans, l'intérieur est très bâclé, très mal fait, l'extérieur est, en ce qui concerne les proportions et le visuel, très bon, enfin correct, on ne va pas s'emballer. Par contre, le point fort de cette voiture, c'est sa physique et son comportement. Vous allez réellement avoir une bombe en piste, une bombe entre les mains avec une boîte 5 vitesses, donc vous n'allez pas constamment vous embêter à être au rupteur, etc. Donc vous avez de la souplesse, vous avez du couple, vous avez un moteur qui répond bien, et sur des petites pistes, eh bien, vous pouvez franchement vous éclater, la preuve avec des pistes comme Brands Hatch, Zandvoort ou Maggiore, et des petites pistes. Par contre, si vous allez faire une course à Francorchamps, au Mugello, ça va pas être top, parce que la voiture va très vite être à bout de souffle et vous allez vous ennuyer dans les nombreuses lignes droites. Donc sincèrement, un mode sympathique à tester, surtout si vous êtes entre potes, si vous êtes tout seul, ne perdez pas votre temps à piloter ça en off pour votre plaisir, c'est pas une voiture qui marquera les esprits. En tout cas, je vous laisse profiter de quelques minutes avec le son de cette Super 5 GT Turbo Coupe. Merci les amis, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en piste. Ciao !